C'est comment se lever un lundi matin puis savoir que tu vas ouvrir ton ordi puis regarder en direct la Cour suprême qui parle de toi. Ah, oh, wow. Oh, ça, c'est weird. Mais c'était... moi, j'avais... Mon avocat m'avait dit... j'ai appris un peu de dernière minute que ça allait être via Zoom. Okay. Puis c'était, j'ai appris le lendemain que, tu sais, il y avait eu le vidéo virale de l'avocat qui était « I'm not a cat! » C'est que c'est une photo de chat. Et là, j'étais comme « Oh, Chris, je devrais faire ça. Je devrais mettre un filtre de burlesque. » De chat pour faire excuser. Ou un clown. Ouais. Mais là, moi, je pensais que j'allais être en cam. Je savais pas que j'allais pas être en cam. Okay. Fait que là, tu sais, j'ai un green screen chez nous. Fait que je magasinais un des fond. Backgrounds qui faisaient sérieux, mais un peu pauvre. Okay. Je voulais avoir de l'air un peu pauvre pour que les juges fassent... Ah, Chris... C'est un artiste, ils sont tous pauvres. T'étais pas assis sur ton arcade pendant que t'écoutais la... Mais après ça, quand ça a commencé, vu que j'étais pas en cam, j'écoutais. Puis moi, on dirait, ça fait tellement longtemps que cette saga-là dure que... on dirait que ça me concerne même plus. Mm. Tu sais, qu'au début, je me sentais vraiment impliqué. Puis là, je suis juste comme... Ah, regarde, là, calisse, là, Chris est moins patient. Je trouve ça tellement stupide que ça se rende jusqu'en Cour suprême. Et les juges de la Cour suprême, je respecte pas leur opinion. Mm. Fait que, tu sais, parce que c'est des vieux monsieur, des vieilles madames qui gagnent leur vie déguisant en Père Noël. Mm. Fait que si toi, ton jugement trouve que c'est correct t'habiller de même à ta job, t'en as pas de jugement, asti. Fait que j'ai aucun respect. Tu sais, puis je l'avais dit à mon avocat, tu sais, il avait dit, c'est quand même... Faut que tu sois là pour montrer que tu respectes l'institution. J'ai dit, mais moi, je les respecte pas. Puis eux autres me respectent pas. Parce que s'ils me respectaient, ils feraient OK, Chris. C'est un gag dans un show. Est-ce qu'ils disaient ça dans la vie? Est-ce qu'il allait sonner chez eux? Ah, non, est-ce que les enfants à l'école du jeune étaient présents? OK, non. Non, mais Chris, c'est moi patient. C'est. Ouais. Fait qu'on dirait, moi. Je m'étais dit, OK, je vais l'écouter, là, je vais faire mon devoir. Fait que là, je me suis installé au début. Chris, on dirait toutes mes anecdotes s'en vont à 20 places. Mais quand je magasinais mon petit décor de green screen, là, c'est que je m'étais dit, en plus, vu que c'est le matin, je vais avoir une tasse de café, mais avec des vodka Coke Diet dedans. Ouais. Fait que je vais me saouler live. Pendant mon esti de procès. Fait que ça va être drôle. Ça va être drôle, puis en plus... T'es tellement humoriste que tu veux avoir un rire à la Cour suprême. Ouais. Mais tu sais, puis... Ce qui est pas nécessaire, non. Pas. Mais tu sais, puis je voulais être en bobette ou en pyjama. Tu sais, vraiment, là, pour montrer, regarde, je m'en calisse. Mais quand j'ai vu que c'était pas ça, je suis juste arrivé, puis là, je suis là, je suis pas là, personne ne le sait, fait que j'écoutais... Puis aussitôt que quelque chose me fâchait, je faisais comme tabarnak, là, je textais Michel. C'est ouais. Ça qui était le fun, tu sais, parce qu'en cours, il y a tout le temps des affaires qui se disent que soit c'est des mensonges, soit des demi-vérités, ouais. Ou c'est encore plus choquant quand c'est des vraies vérités, puis tu réalises, ah ouais, ah c'est pas cool, tu sais. Mais les trois sont choquants égales. Mais tu sais, moi et Michel, t'sais, les deux premiers procès, on se faisait tout le temps des gags. Tu sais, comme il y avait un moment donné, il y avait une des juges, qu'elle, son problème avec ma joke sur Jérémy Gabriel, c'est que c'était pas vrai qu'il était mourant et qu'un artiste, un humoriste se doit de partir des faits véridiques. Puis là, Michel... As-tu vu Star Wars? Ouais, mais Michel m'avait juste tapé puis il a dit... C'est pas dans ce number-là que tu dis que Lou José, il n'y a pas de pénis. C'est ça. Il y a un pénis, Lou José. Ça semblerait. Puis là, moi, je riais en cours, tu sais. Ouais. Mais là, ce qui était le fun de la Cour suprême, on pouvait se texter ces gags-là. Puis il y avait une madame en plus, une des juges. Tu sais, la plupart des juges étaient à Cour suprême. Ouais. Puis il y avait une madame, elle, à son décor, c'était un green screen de la Cour suprême. Oui. Mais tu sais, pour faire un green screen, il faut éclairer le green screen séparément ouais. De la personne. Mais elle, elle le savait pas. Ouais. Fait qu'elle, il y avait... C'était... Fait que là, je comprends l'art. Voyons, calice, là. Fait qu'aussitôt que le monde disait de quoi de ridicule, je textais Michel. Puis quand ça me fâchait, j'allais me faire une sandwich. Ou tu sais, un moment donné, j'ai écouté deux épisodes de Always Sunny in Philadelphia dans un autre browser. Fait que là j'avais la Cour suprême vraiment bas, puis j'avais Always Sunny in Philadelphia, puis là, je riais
fort, là, tu sais. Tant mieux. Mais moi, ouais, c'est ça. Moi mais j'étais content parce que, on dirait, c'est tellement... C'est comme une autre vie. Moi, la page là-dessus est tournée depuis... Je te dis qu'elle est vraiment tournée depuis que j'ai fini d'écrire Noir. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, après Noir, tu sais, moi, mon but, ça serait de... J'en parle plus jamais. J'étais content, j'avais mon petit numéro, c'est deux pédophiles, ouais. La Commission des droits de la personne. Ouais. Un petit numéro. Que, je trouve que ça boucle bien la boucle. Excusez, j'ai craché. Ah, moi, tout ça est barouillé. Mais, tu sais, c'est niaiseux. C'est vraiment comme si... c'est arrivé à quelqu'un d'autre. T'sais, parce qu'à chaque fois, j'y pense. T'sais, j'espère gagner pour l'impact que ça va avoir dans notre industrie, si on perd. Mais je vois pas ça comme je vais gagner ou je vais perdre. Je vois ça comme on va gagner, on va perdre. Ouais. Si on perd, je suis le genre de gars qui va trouver un plan B pour essayer de rendre ça cool pour tout le monde. Ouais. C'est que mon but, c'est de pas scraper l'humour. Ouais. Pour, je veux laisser l'humour... Tu sais, aussi propre que c'était avant que j'arrive, là, tu sais. Oui, bien, le plus libre possible. Oui, tu sais, puis par propre, je veux pas dire propre, tu sais. Ouais. Pas... Oui, on peut dire collé sur un stage, là. Ouais, c'est ça. Oui. Je trouve ça beau dans ce que tu viens de dire, parce que ton... C'est comme le processus de deuil que tu avais fait avec ta blonde quand t'avais laissé, t'avais closé ça en écrivant. La Cour suprême est revenue, là. Non, mais c'est... Non, mais ce que je trouve que ça prouve, c'est que l'art puis l'humour, c'est un... Mais c'est thérapeutique. C'est un relief, justement, c'est ça. Moi, il y a une des affaires, je suis vraiment fier, puis j'avais peur. Tout le monde, mettons, qui ont vécu ce que j'ai vécu, puis il y en a pas mille, mais ça a tout le temps mal viré. Tu sais, mettons... Mais l'ennemi, c'est mort, là. Tu sais, Dieu donné... ça l'a complètement détruit comme humain. Lenny Bruce, il a fini pauvre, overdose d'héroïne. Et aussi, ce qui, à la fin de sa carrière, il lisait, sur scène, il lisait les rapports, il lisait les, qu'est-ce qui avait été dit en cours. Il n'était pas regardable sur scène. Il l'a mublé et il parlait juste de ça. C'est le pire show, là, un gars sur l'héroïne qui t'explique qu'est-ce qui a été dit. Moi, c'était pour ça aussi. J'avais Jimmy Carr qui m'avait suggéré, qui avait dit tu ne devrais pas engager ton avocat, tu devrais te défendre toi-même. Pour, tu sais, parce que lui, il voyait ça comme genre pour ton legacy. Mm-hmm. Il disait, quand tu vas être mort, ça va être plus impressionnant que tu... Mais là, j'étais comme... Mon but, c'est pas d'impressionner le monde quand je vais être mort. Là. Mon but, c'est de pas de pas me gonner. Puis, tu sais, aussi au début, moi, tu sais, j'avais la droite qui me supportait à mort et la gauche qui me détestait. Ouais. Puis moi, j'étais un gars entre les deux. Tu sais, je me considère pas de droite, mais je me considère pas de gauche non plus. Fait que ça aurait été facile pour moi de devenir l'humoriste de droite. Ouais, ouais. Puis je voulais pas devenir ça, vu que ça va pas... C'est pas ça que je suis. Puis c'est ça, ça me tenterait pas de devenir un humoriste, tu sais, ou woke. Mm-hmm. Tu sais, parce que c'est pas ça que je suis. Puis aussi, ce qui est génial avec toi, c'est que t'es surprenant. Tu peux pas être surprenant si on sait ce que tu vas dire. Ben non. C'est ce qui est dommage d'être complètement à droite ou complètement à gauche. On les voit venir, des punchlines. Ben ouais, ben ouais. Tu dis, les armes à feu. Ah, mais comment il est habillé, je sais exactement ce qu'il va dire. Pareil pour... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que j'aime un peu de. Tu sais, moi, mon humour. Je pense pourquoi j'avais eu des bonnes critiques pour Noir, c'est que je parle comme un gars de droite, mais avec des propos de gauche. Julie Lucier aime ton show. Ouais, ça m'a vraiment surpris. Mm. Mais je comprends en même temps parce que je sonne comme un gars de droite, parce que je me censure pas, mais quoi que j'ai... Je suis vraiment entre les deux. Bien sûr. Puis je pense que c'est juste ça qu'on est plus habitué d'entendre. Parce qu'on aime ça, on aime les extrémistes. On aime la lutte, que lui est à gauche. Ça prend un bon, ça prend un méchant. Ouais. Ouais. On oublie qu'on est tous bons et on est tous méchants. Bien sûr. Ouais, vraiment. Puis la différence entre... Moi, c'est ça qui me fascine de... Tu sais, comme... j'avais fait le show à Steven Crowder plusieurs fois. Puis j'ai comme un gars qui m'écrit tout le temps, qui est comme « Asti, tu supportais le gars des Proud Boys? » Puis il montre des photos avec. Puis je suis comme « Chris, j'ai fait cette entrevue-là avec, il y a 6 ans, qu'il m'avait parlé des Proud Boys, que c'était un boys club de des gars qui... C'était un truc pour pas tromper ta femme. Puis il fallait que tu trompes pas ta femme, puis que
tu tripes ses céréales. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme une affaire de... C'est une joke. C'est une joke, qu'est-ce que tu dis? Puis là, là, j'étais comme... Fait que je défendais le... J'ai-tu dit Steven Crowder? Pas Steven Crowder, excuse, Gavin McInnes. OK, oui. Je défendais le Gavin McInnes que j'ai rencontré, ouais, qui était le gars qui a fondé Vice. Tu sais, la raison pourquoi Vice est devenu nul à chier, c'est que McInnes n'est plus là, tu sais. Mm. Vice, à l'époque, c'était vraiment bon parce que ça avait deux gars d'extrême-gauche avec un gars de droite. Puis les trois ensemble, ça faisait quelque chose de vraiment le fun. Tandis que là, en ce temps, tu lis Vice, c'est comme tabarnak, mm-hmm, là, tu sais. Tu connais l'angle, take it down un peu, là, tu sais. Ouais. 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 Fait que, mais ouais, mais il y a un gars, il m'écrit tout le temps. Tu sais, mettons, aussitôt que les Proud Boys font quelque chose, il m'envoie une photo de moi avec Gavin McInnes. Puis là, un moment donné, j'ai juste répondu, j'ai fait... T'es-tu en train de dire que je suis responsable, tu sais? Il ouais, y a moyen de parler avec du monde... Ouais. Pis, le... Il y a peut-être aussi, il a changé et tu n'as rien à voir là-dedans. Ouais, ouais, mais... Cet homme-là, il y a 6 ans, c'est pas l'homme de maintenant. Ouais, c'est ça, tu sais, que, mettons, moi, quand j'ai vu où qu'il s'en allait, j'ai fait OK, je vais mm-hmm, arrêter d'aller le voir. Fait que ça, déjà, pour moi, c'est assez. Mm-hmm. Mais il y a bien du monde qui pense que. Il faut que tu le... Il faudrait que chaque fois que je suis en public, je fasse ce gars-là, tabarnak, il m'a fait à quoi? C'est une affaire mm-hmm, de céréales. C'est rien que des. Parce que moi, au début, quand le monde disait les Proud Boys sont racistes, je disais ben non, Chris, parce que moi, je défendais le. Moi, quand il m'avait parlé de ça, il y avait deux membres des Proud Boys. Il y avait Gavin McInnes, puis il y avait Dante Nero, qui est un humoriste noir. Tu sais, fait qu'il y avait la moitié des Proud Boys étaient noirs, mm-hmm, puis l'autre moitié, c'était un gars qui me parlait de céréales, puis qui voulait plus se crosser pour pouvoir fourrer sa femme. Fait que j'étais comme, je voyais pas le... C'est inoffensif, complètement. Je voyais pas le côté raciste, je voyais ouais, le côté innocent. Oui, oui. Ouais, fait ouais, que, mais, c'est ça, à cette heure, vois-tu, après... Là, tu sais, les Proud Boys, ça a viré, là, tu sais. Ouais. Ça a viré un petit peu. Oui, mais tu sais, c'est... Mais vois-tu, moi, ça aurait été facile quand mettons, tu sais, les Proud Boys sont allés vers là. Si j'aurais pu faire... Chris, ce public-là me supporte. Ouais. Si j'y vais all-in puis je deviens un gars de droite, je pourrais avoir une carrière de même au stage. Très payante. Ouais. Très payante. 1000 fois plus payante qu'ici. Mais là, j'ai fait... Je serais, tu sais... Très mal. Je serais pas bien. Moi, la raison pourquoi je fais l'humour que je fais, c'est ça qui me fait rire. Puis t'es accueillant. Fait... Avant tout, t'es accueillant. Puis tu peux pas être accueillant si t'as des idées fucked up, révolutionnaires, racistes, envers ouais, ouais, que tu connais pas. Là. Ouais. Ouais. Tu pourrais, je pense pas que avec les Proud Boys, ta première partie, ça pourrait être Preach. Je pense pas non, que Preach aimerait s'associer. Peut-être que...